Mais c'est ça une première partie. Au fond, les gens se rendent pas compte, mais t'es un peu le terreau de la fleur que toi tu vas faire pousser, quoi. S'il n'y a pas un bon terreau, il n'y a pas un bon spectacle juste après. Ouais, ça pousse pas, quoi. Ça pousse pas. J'ai déjà vu des premières parties. Va planter une tulipe dans du béton. C'est vraiment pas évident. Ok. Qu'est-ce que tu peux raconter comme connerie? Non, magnéto, Maxime. Tu fais quoi? C'est ton affiche de première partie, ça? Ouais. C'est important d'avoir une identité, en fait, même en tant que première partie, c'est bien. Les gens doivent savoir qui ils viennent voir. En plus du spectacle, ils ont quelque chose en plus. Et moi, je me mets à la place d'un spectateur. Je serais déboussolé de ne pas savoir, quoi. J'ai mis nouvelle heure, mais... Même si je fais 10 minutes, c'est plus... Ah, faut que les gens pensent que tu vas faire... Non, c'est plus, c'est mon heure, tu vois. C'est mon moment. C'est ça que je veux dire. J'ai fait des petites cartes. Ok. Pour pouvoir que tu puisses coller, en fait, au dos de ta carte, quand toi, tu donnes des cartes. Pour que les gens sachent, en fait... Que ce sera moi en première partie, donc ça serait bien. Tiens, voilà. Là il y a tes cartes, tu vois. Au dos, tu es en spectacle, c'est pas important. Et là, en fait, bam, avec un petit rouleau de scotch, tu vois. Attends, tu veux dire que je vais donner mes cartes et il y aura ta carte derrière? Ouais. Attends, faut que je... Mais mec, il n'y a pas de scotch? Attends, j'ai pas dit oui, hein. Non, mais c'est pas... c'est pour le spectateur, c'est pas pour toi que je fais ça. J'ai mon nouveau micro de première partie, là, je viens de le recevoir. Donc, j'ai mis des petits bandes bleues là, au feutre. Pourquoi faire? Pour que les gens voient que c'est le micro de la première partie que j'utilise. T'as mis du feutre sur ton micro? Ouais, j'ai pas fini, j'ai d'autres feutres, mais. Hop, pour que les gens sachent. Hop, comme ça, ils verront quand je l'ai dans les mains. C'est le micro de première partie. T'en fais quand même pas mal pour un 6 minutes de première partie, hein? 8. Tu fais quoi là? Mise mon micro. Ça sert à rien, mec. Hein. Si, parce que c'est celui-là que je vais emmener à l'Olympia. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Quand je ferai ta première partie à l'Olympia. Tu penses que ça rend dérangeant, ça dérangera Benjo si je le débranche? Merci à tous de m'avoir écouté. Hop, et puis je remets le tien. Ah non, mec, on va mettre le mien directement, hein, je pense. Bah non, on va pas s'amuser à changer de micro en plein spectacle. Faire avec celui-là tout du long. Ça sera pas sec, je pense. Je pas que à la première partie on branche mon micro et que au moment de la, entre les deux. Qu'est-ce que t'as fait sur ton micro? C'est mon micro de première partie. Oh. Je vais l'emmener à l'Olympia en première partie. Mais en fait c'est super chiant si tu fais ça, tu vas prendre 3 heures quand je change mon micro. Ouais, après. Mais je fais clac-clac comme ça, Kevin il monte avec le sien, il le branche et il n'y a plus de soucis quoi. Je fais mon micro de première partie. Et... Ouais, il y a des soucis si vous branchez bien. Bah Kevin jouera avec. Tiens, regarde comment c'est humide là. Avec ton bébé en fond d'écran. C'est normal, Benjo, je sens que ma peau qui me met à brûler. Oui, bah t'inquiète. C'est pourquoi un bébé en fond d'écran? C'est pas mon téléphone. Bon, essaye pas de faire à Larsen, c'est peut-être pas assez fort pour ça. Ah. Ah. C'est ça qu'il faut que je... Ouais, c'est ça. Bon, il y a un petit saut. Bah merde, en tout cas, pour tout à l'heure. Moi. L'artiste. Moi. L'artiste. Et au moment où les gens... Je pense que j'en ai fini avec les blagues. Rob, deuxième partie de première partie. Happening. Bonsoir, ça va bien? Super. Sympa le chapeau ou quoi?
très honnêtement, ça va ? Ça va. Cool. Là, ce soir, je pense que j'ai débloqué mon nouveau style. J'hésitais, mais là, vous êtes vraiment les premiers à me voir jouer avec un chapeau et... Déjà, je suis ému, que ce soit vous. Ça fait vraiment... Je pense que vous avez une chance inouïe et vous n'en rendez peut-être pas compte. Pas encore. Et là, c'est bon, ça y est, vous en rendez compte ? Ah, là, oui ? Je vais attendre une petite seconde en plus. Attends, c'est quoi ça, Maxime ? C'est quand j'ai cartonné. Quand j'ai cartonné, ouais. C'est pas des rires enregistrés du tout ? Non, c'est juste que les gens rigolaient de la même manière. Attends, à répétition. Je peux revoir la scène ? J'hésitais, mais là, vous êtes vraiment les premiers à me voir jouer avec un chapeau et. Déjà, je suis ému, que ce soit vous. Ça fait vraiment... Ça, c'est pas un vrai rire, Maxime. Non, ouais. Non. C'était une mise en scène, tout ça. De toute façon, j'ai fait exprès de... Tu prends les gens pour des cons, Maxime ? Non, c'est pas vraiment volontaire. Je sais pas quoi dire, Maxime. Bah non, bah, fin d'épisode dans ce cas-là. Non, Maxime, arrête tes conneries. On va pas mettre la fin de l'épisode alors qu'il... Non, vas-y, mets du bêtisier. Je mets du bêtisier ? Allez, du bêtisier. Allez, bloopers. Allez, bloopers. Quoi ? Tu crois que les gens venaient parce que t'es en première partie ? Pas que pour ça. Pas qu'ils viennent pas que pour ça, c'est sûr. Faudrait que quand tu redémarres une phrase, à chaque fois, tu sais, tu redémarres par une. Non, les gens viennent pas forcément parce qu'une première partie. Pour que dans le cut, si on peut pas garder, ce qu'on peut pas garder, on est obligé de garder ma voix sinon. Ah, et je me rends compte que c'est d'accord. Chiant à chaque fois, ça perd trop de trucs des fois. Tu filmes depuis tout à l'heure là ? Ouais. Ah putain, j'avais pas capté, je fais pourquoi il a arrêté de filmer ? Hein ? Ok, d'accord, vas-y, 3, 2, 1, action. Ah non, parce que tu ne vois la partie. T'en fais quand même pas mal pour un 6 minutes de première partie, hein. 8. Je joue à Brawl Stars. Pourquoi ? Il faut que tu ailles avant, sinon les gens... Non mais ça va, parce que d'habitude il déroule un peu plus que ça. Là. Un jour il va scotcher la porte, mon gars. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une ou deux personnes qui arrivent en plus. Ah oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, mets des chaises, hein, dans le doute. Mais il est 18h34. 33. Et je suis encore persuadé que je vais faire de l'impro ce soir-là. Oh, ça n'avance pas.